Après notre première présentation en mars 2017, qui a été vraiment spectaculaire. Je pense que notre chef d'orchestre de prédilection, comme dit toujours maman, a été vraiment ému et il ne voulait pas que ça s'arrête là. Alors il a dit, alors Micheline, à quand le prochain concert? Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Et spontanément, elle a dit, l'empereur. Il a dit, eh bien c'est parfait, l'empereur. Alors en 2017, on se préparait donc pour venir jouer l'empereur. Et à ce moment-là, comme tu sais, maman se préparait à venir. Et il y a eu ce fâcheux incident où elle est tombée et s'est cassé le bras. Donc elle n'a pas pu venir, on a dû donc renvoyer. En 2018, il y a eu aussi une autre tentative, puisque l'invitation tenait bon. Et quand le concert était prévu encore une fois pour décembre 2018, c'était impossible de quitter le pays. Donc, ils se sont rendus compte, ils ont vu les nouvelles à la télévision à Cuba, et ce sont eux qui ont dit, écoutez, ne prenez pas de risques, nous attendons. Quand elle pourra et quand ce sera parfait, elle pourra revenir. Et voilà que la troisième tentative a été la bonne, comme on dit. Et cette fois, ils ont proposé le 2 juin. Et voilà, donc ça a pu se concrétiser. Et nous étions ici donc, pour ce concerto le 2 juin de cette année 2019. Elle est très particulière, comme on pourrait dire. Et elle arrive à dominer le stress d'une façon vraiment extraordinaire, peut-être parce qu'elle est artiste. Quand il y a ces troubles politiques, et elle ne peut pas quand même rester dans sa bulle, elle sait ce qui se passe. Et ça affecte dans et son travail. Pour pouvoir répéter correctement ces 8 heures de temps par jour comme devrait avoir un artiste en général. Alors, elle ne peut pas rester indifférente quand au coin de la maison, il y a des pneus incendiés, des barricades à droite et à gauche. Et elle ne peut pas à ce moment-là jouer au piano. Donc, ce qu'elle fait, elle s'enferme dans sa chambre et elle étudie mentalement. Alors on la voit avec son cahier, pianotant, les yeux fermés. Et ce n'est pas vraiment une situation idéale. Et en deux occasions, justement, avec tous ces problèmes, nous, ses enfants, avons voulu qu'elle se détache un peu d'Haïti pour pouvoir être avec nous à l'étranger, avoir un moment de tranquillité, pour pouvoir étudier. Et être tranquille, et comme je l'ai eu pendant plus d'un mois à la maison, et avec un piano bien sûr, mais pour Madame Denis c'est pas la même chose, d'accord, parce que elle n'est pas dans son ambiance, le piano que j'ai n'est pas son piano à queue, son Yamaha et tout, donc c'était pas facile, donc elle pouvait juste à peine faire quelques gammes, et puis c'est tout, mais elle prenait son cahier, elle écoutait d'autres choses pour s'occuper parce qu'elle savait bien qu'elle ne pouvait pas être en Haïti à ce moment. Mais la détacher d'Haïti et être quelque part d'autre, même si elle est en sécurité, être avec nous, ses enfants, sa tête est en Haïti. Son cœur est en Haïti. Elle est avec Haïti, avec sa maison, avec tout ce qui l'entoure et ses élèves, bien sûr. Dernier exploit qu'elle a fait, hein, quand elle est à peine rentrée de Saint-Domingue en avril. Et elle avait déjà tout programmé, elle savait qu'elle avait son concert pour le 2 juin,
Mais entre-temps, il y avait aussi d'autres obligations et surtout préparer son petit concert avec ses élèves qui était au beau milieu du mois de mai où elle toute seule a pu le faire. C'était encore une exploit de présenter tous ses enfants malgré la situation politique qui ne laissait pas les enfants venir à temps pour les répétitions. C'était le chaos, elle n'arrivait pas à se concentrer, elle devait faire un discours pour enfin arriver à ce jour, encore une fois, qui a été un vrai succès pour elle. Maman vraiment a ses presque 89 ans. Et c'est quelque chose, c'est un exploit, c'est extraordinaire qu'elle puisse malgré tout et continuer à lutter surtout pour que la vie musicale et artistique se maintienne en Haïti. J'ai toujours écouté cette œuvre avec ton papa, surtout à l'occasion du 1er janvier, à l'honneur de Jean-Jacques Dessalines, parce qu'à cause du titre de l'empereur, tous les 1er janvier de chaque année, ton père et moi, nous l'écoutions. Et en moi-même, j'avais toujours désiré jouer ce concerto. Alors, c'était pour moi une gageure. Périodiquement, j'en apprenais quelques passages au fur et à mesure. Et puis, finalement, quand on m'a proposé de le jouer à cette Trinité, j'ai travaillé le tout. Les années passant, avec l'expérience, je suis arrivée à vouloir le jouer à nouveau, mais avec un grand orchestre, à le souhaiter. Et quand j'ai été invitée, alors à ce moment-là, je l'ai fait. Es increíble con esa edad que ella sea tan músico, tan maravillosa y sobre todo que esté tan clarita, tan lúcida y que toque tan lindo. Me siento muy orgulloso porque estoy tocando con una pianista excepcional. Felicidades para ella y mucha vida. Thank you.
Thank you.
Thank you.